Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Alter JT. Les affaires du Front National, nous allons nous intéresser à un personnage de l'ombre, ô combien inquiétant, le néo-nazi Frédéric Chatillon. Où sont passés les millions de Macron? Est-il possible d'extraire du minerai, de l'or en l'occurrence, de manière équitable? Et l'on terminera cet Alter JT avec une chronique un peu décalée sur le militantisme et surtout sur le manichéisme. Les casseroles s'accumulent autour de Marine Le Pen et des questions de financement du Front National. Autour de ces questions, une affaire particulièrement juteuse, celle de la surfacturation des kits de campagne des candidats du Front National. Surfacturation qui ressemble éminemment à l'affaire Big Malion, on s'en souvient, il s'agissait là aussi d'organiser la campagne de candidats, mais c'était de l'UMP, et de surfacturer pour permettre ce financement et peut-être de l'enrichissement personnel. Le personnage de Frédéric Chatillon, on est au cœur de la question de l'enrichissement personnel. Alors, qui est Frédéric Chatillon? D'abord, c'est un ami de jeunesse de Marine Le Pen. Il a commencé son militantisme à la fin des années 80 au sein d'un groupuscule néo-nazi qui s'appelle le GUD, groupe Union Droit, groupe Union Défense, selon les époques. Un groupuscule violent, négationniste, focalisé sur la question de l'antisémitisme, du complot juif, et qui, progressivement, au tout début des années 90, va commencer à travailler pour le Front National. Marine Le Pen est à ce moment-là la fille d'eux, mais également une étudiante en droit. Elle prépare son métier de future avocate. À ce titre, elle fréquente l'université d'Assas, la faculté de droit parisienne, où sont justement regroupés les militants du GUD. Frédéric Chatillon se distingue à l'époque, il en devient le leader, et une dizaine d'années plus tard, il crée la société Riwal, devenue l'ami intime de Marine Le Pen, avec laquelle il participe à des soirées fortement alcoolisées, où ces messieurs-dames se permettent même d'insulter la police quand elle vient les calmer à cause des nuisances nocturnes. Soirées où l'on tend le bras vigoureusement à l'ancienne pour célébrer le Reich. Dans ces soirées, est-ce qu'il est question d'Hitler? Ah oui, Tonton, oui, bien sûr. Donc il le surnomme Tonton? Oui, bon, à l'époque, il le surnommait Tonton. Bon, le négationnisme est omniprésent. Et il rigolait sur Auschwitz, qu'il y avait un stade de foot, une piscine pour les juifs, et qu'ils n'étaient pas gazés du tout, ils étaient juste morts de maladie, d'épuisement. Mais c'est dit sur quel ton? Sur le ton de « on n'en a pas tué assez ». C'est des blagues qui s'envoient à longueur de journée, et même quand ils sont en train de travailler, ils s'envoient des blagues par mail, par SMS. Soirée où l'on trouve également d'autres gudards comme Axel Lousteau, qui travaille également pour Riwal, dont il est actionnaire, et pour Marine Le Pen, et son micro-parti Jeanne, micro-parti destiné à faciliter le financement des campagnes de la candidate au présidentiel et de ses autres candidats sur le territoire. Riwal donc se pose en 1999 comme une société de communication. Riwal va aussi devenir l'instrument privilégié de la communication, des outils de communication et de campagne en particulier du Front National, et à ce titre se trouve aujourd'hui inquiété pour le détournement de 30 millions d'euros. C'est une valeur bien sûr estimée, reprise dans les médias. En fait, le montage était simple. Riwal surfacturait des prestations de communication aux candidats du Front National en France. Alors, ils sont des dizaines de milliers. Vous imaginez donc le bénéfice que cela peut rapporter. Cette surfacturation de kits de campagne, l'organisation de réunions, ça veut dire la création de sites internet, etc. Certaines de ces prestations sont d'ailleurs purement et simplement imaginaires. Elles étaient imposées aux candidats et certains de ces candidats se sont alarmés de voir non seulement les prix imposés par la société Riwal, elle-même imposée par le Front National de Marine Le Pen, mais également par l'absence pure et simple de certaines de ces prestations. Alors la société Riwal est poursuivie une première fois par TRACFIN, l'organisme étatique en charge de traquer justement l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent. C'est en 2001.
En 2015, Frédéric Chatillon, son directeur, est directement mis en examen pour abus de biens sociaux et escroquerie. En 2016, la société Riwal et Frédéric Chatillon sont nommés dans l'affaire des Panama Papers, cette industrie de l'évasion fiscale au travers de ce paradis fiscal qu'est le Panama. Chatillon aurait fait sortir de France 316 000 euros provenant de son entreprise Riwal. Le quotidien évoque un système offshore sophistiqué qui, grâce à des sociétés écrans, dissimule l'argent en Asie et dans les Caraïbes. Est-ce qu'on a payé nos impôts? Oui. Est-ce que le fisc français est au courant qu'il y a une filiale à Hong Kong? Oui. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'illégal? Non. Mais en fait, pourquoi moi on me cite aujourd'hui? Parce que je suis proche du Front National et parce qu'il faut absolument faire du sensationnel et dire « Regardez le Front National, ils ont des gens avec eux qui font des choses un petit peu rock'n'roll ». On découvre à cette occasion que Frédéric Chatillon aime se servir en premier. Il se paye avec la carte bleue de sa société Riwal un voyage à 18 000 euros quand même à Punta Cana en République dominicaine. Alors Punta Cana, c'est un peu l'endroit des prostituées, de la belle vie, des touristes blancs qui viennent profiter un peu des joies du tiers-monde. Et puis Frédéric Chatillon aussi ne dénigre pas les montres, vous savez, celles dont Séguéla disait qu'elles permettaient de réussir sa vie, enfin qu'elles étaient le symbole de la réussite. Alors lui s'est payé une montre à 12 000 euros quand même, hein, avec toujours la carte bleue de son entreprise Riwal. La force de cette relation, Aymeric Chauprade va nous la confirmer. Pour lui, elle est aussi politique et inquiétante. Quand j'arrive, on m'explique que ce sont les meilleurs amis de Marine Le Pen, les amis avec lesquels elle a fait la fête. Tout ça n'a rien d'extraordinaire, c'est son droit le plus strict. C'est seulement mois après mois que je comprends, que je constate l'emprise de ces gens. Ils sont bien plus que des amis, manifestement. Elle ne peut rien faire sans eux et elle ne peut rien faire contre eux. C'est ça qui est évidemment très grave. Si au mois de mai, Marine Le Pen l'emportait, quel rôle jouerait le groupe qu'on décrit là? Et aucune raison que ce groupe disparaisse. C'est le groupe qui aura amené Marine Le Pen au pouvoir. C'est l'économie du Front National. Ce sont les secrets de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas libre. Elle est tenue par ces gens. Si elle arrive au pouvoir, ces gens seront le pouvoir. Ces gens seront le pouvoir. Alors, ce parti qui se disait main propre, tête haute, finalement se livre au même type de turpitude financière que d'autres partis de gouvernement. Frédéric Chatillon et sa petite bande exercent une influence démesurée sur la candidate du Front National, ce qui montre qu'elle n'a finalement pas renié grand-chose de sa jeunesse militante, de ses amitiés extrémistes. Et tout cela est fortement inquiétant dans la perspective où Marine Le Pen pourrait arriver au pouvoir en mai prochain. On peut espérer qu'une seule chose, c'est que Frédéric Chatillon, le grand argentier du Front National, devienne son boulet véritablement et fasse couler ce Titanic du néofascisme. Où sont passés les millions de Macron? Il semble que M. Macron ait quelques difficultés avec la déclaration de son patrimoine. Salut à tous. Alors, très bonne question, Xavier. Hein, c'est pas moi qui les ai, ces millions. On pourrait peut-être demander à Jérôme Cahuzac, à mon avis, d'avoir une petite idée sur la question. Car on voit bien que les médias français ont pris fait et cause pour Emmanuel Macron. Hein. Depuis 6 semaines, nous avons quotidiennement les différentes casseroles de François Fillon exposées au grand jour. On sait le montant de son costume, on sait qui c'est qui porte les valises. Mais par contre, sur l'affaire que subit Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines, rien du tout. Le silence est particulièrement éloquent. Pour l'ONG, il y a un différentiel trop fort entre les revenus supposés du candidat d'En Marche et ses déclarations de 2014. Alors qu'en est-il? Entre 2008 et 2014, Emmanuel Macron, alors banquier chez Rothschild et secrétaire général adjoint de la présidence de la République, a touché à des revenus de 3,3 millions d'euros approximativement. Il déclare en octobre 2014 la somme de 56 160 euros.
On voit bien qu'il y a une différence très importante. C'est la première interrogation d'Antico. La deuxième interrogation, c'est comment se fait-il quand, depuis 4 ans, il a à peu près, sur son compte courant, 3 millions d'euros d'actifs. Or, en 2014, il a la somme de 56 000 euros. Troisième question de la part d'Anticor, que sont devenus les revenus immobiliers d'Emmanuel Macron, estimés à 560 000 euros, qui n'apparaissent sur aucune déclaration. De plus, Emmanuel Macron a demandé deux prêts, un de 360 000 euros en 2011 pour les travaux pour sa compagne, Brigitte Macron, pour sa résidence secondaire, et un autre en 2012 pour l'acquisition de sa résidence principale de 500 000 euros. Une personne ayant autant de revenus, il est étonnant qu'il demande des prêts et qu'il demande un endettement. L'entourage d'Emmanuel Macron s'en défend. Et Emmanuel Macron, dans une interview datée du 12 mars, le dit « j'ai payé beaucoup d'impôts ». Il aurait payé la taxe à 75%, donc il est d'ailleurs très très contre. On comprend pourquoi. Autour de 1,4 million d'euros donc d'imposition. Mais que sont devenus les 1,6 million d'euros? Il y a là encore un différentiel excessif. Alors certains économistes se sont amusés à calculer avec ce différentiel. Avec ces 1,6 million d'euros restants, Emmanuel Macron aurait eu 700 euros de dépenses quotidiennes, ce qui est très important. Avec ce train de vie, on comprend d'ailleurs pourquoi les mannes financières soutiennent le candidat candidat En Marche. Est-il possible d'extraire du minerai, de l'or en l'occurrence, de manière équitable? Eh bien, la réponse est positive avec une mine de Colombie. El proceso ya está varios años acá en nuestro municipio. Y hemos mirado que es bueno, que los beneficios son mejores y las condiciones que vamos a tener los trabajadores son mejores, porque van a llegar ayudas extranjeras, todo por la exportación del oro que sacamos acá. Ellos tienen unos reglamentos que nosotros tenemos que cumplir, como es la altura de los socavones, que tiene que ser cómodo. Los trabajadores que estén afiliados a seguridad social con su salud, sus riesgos, su pensión, todo. Y entonces, por eso es que queremos certificarlo nosotros también. Alors attendez, ne partez pas, puisque bon, on a un dernier aveu à vous faire. On est plutôt de gauche, même plutôt à gauche de la gauche. Et donc on va écouter Léna, qui dans sa chronique, le journal d'une femme tambour, nous parle de son expérience avec les militants de gauche, avec humour, avec tendresse, et qui nous parle du manichéisme. D'ailleurs, on la remercie et vous pourrez retrouver d'ailleurs l'intégralité de cette chronique et les différentes chroniques de Léna et du journal d'une femme tambour sur sa chaîne YouTube. Salut les agités! Alors j'avais envie d'une petite ambiance cosy pour reprendre l'aventure. J'avais dit que je prendrais du temps pour faire la prochaine chronique et je pensais pas que ça serait autant. Mais c'est pas comme si j'avais rien foutu ces derniers temps, hein. J'ai pu faire des tas de reportages, rencontrer des gens hyper intéressants, aller de gauche à droite, de droite à gauche, ou plutôt de gauche à gauche. Ouais, j'avoue que j'ai pas mal fréquenté les milieux militants de gauche, qu'ils soient politiciens, associatifs ou citoyens. Et j'avais envie de faire un petit bilan de cette période qui fut très riche émotionnellement et humainement. Nous allons d'ailleurs commencer parce qu'il y a eu de plus beau, de meilleur. Mais non Léna, tu devrais pas faire ça, tu sais que les gens aiment le sarcasme quand ça se fight, se frite, se suite. Oh, ça tu vois, je peux plus, hein, les gens qui disent que tous les gens sont pareils, c'est d'un cliché. Ah c'est bon ça. Bon, revenons nos moutons. Pendant cette période, j'ai vu énormément de solidarité, d'énergie, de volonté de changer le monde pour qu'il soit plus équitable, plus sain, avec une créativité et un courage incroyable. Et quand j'ai vécu moi-même de grosses tuiles, je peux vous dire que le mot entraide chez les copains, ça n'est pas du blabla. Encore un grand merci à vous. Mais j'ai pu observer quelques petits travers dans lesquels j'ai pu ou peu encore moi-même tomber. Yeah! Petit
latin, le manichéisme. Autrement dit, attitude consistant à simplifier les rapports du monde, ramenés à une simple opposition du bien et du mal. D'un côté, il y a les méchants qui font le mal, qui ont tort, qui sont coupables de tous les malheurs du monde. Les capitalistes! Et de l'autre, il y a les gentils qui font le bien, qui ont raison, qui sont victimes des méchants et qui n'ont rien à se reprocher. Les anticapitalistes! Sachant qu'à droite, ça peut être exactement la même chose, hein, sauf que les gentils peuvent être les méchants de l'autre camp ou vice-versa. Hein. La vie, comme chacun d'entre nous, c'est beaucoup plus complexe. On est un mélange d'altruisme et d'égoïsme, de courage et de peur, d'amour et de haine. Des bisous partout. Le plus important, à mon avis, et le plus difficile aussi, c'est tout d'abord de le reconnaître, puis d'essayer d'équilibrer tout ça. Et ça, ça demande de l'humilité, de la lucidité, de la patience. Parce que quand t'as la certitude que c'est toi uniquement le gentil, c'est peut-être que c'est un peu toi le méchant. Et tu peux tomber dans le piège de... Ce que je pense est la vérité. Et si tu ne penses pas immédiatement comme moi, et si tu oses même remettre en question ce que je pense... Moi je me demande hein, comment on va faire avec tous les migrants qui arrivent. Hein, parce qu'avec tout le demande de logement, de chômage... Raciste, xénophobe. Nous a-t-on tout dit sur le 11 septembre? Complotiste. Moi, quand j'ai mes règles, je suis complètement hystérique. Sexiste. De papa ou de maman pour un enfant, moi ça me fait bizarre. Homophobe. Moi, j'aime mon pays. Nationaliste. T'es un fasciste. Et cette sorte de dictature peut aller jusqu'à t'imposer le type d'humour qui est légitime ou pas. Et tu sais ce que c'est qu'une manifestation d'aveugle? Un festival de Cannes. Si toi ça te fait rire, c'est pas grave. Handiphobe. Oh, tous ces mots, hist et amphobe, j'en peux plus. Je crois que je suis devenue histophobe. Je sais pas vous, mais de mon côté, lorsqu'on m'attaque quand j'émets un doute ou une opinion, je peux avoir deux principales réactions. Primo, j'encaisse le coup. On dit que je suis bête, alors je me tais. Je laisse les autres choisir pour moi. Ce qui peut en arranger certains. Deuxio, je rends le coup. Quoi? T'as dit quoi là? T'as dit que j'étais une conne? Mais je t'emmerde, dégage! Et lorsque mes hormones sont moins sensibles, je peux avoir une troisième réaction. J'ignore le coup. Ouais, pas très constructif tout ça. Et ça, ça peut faire de gros dégâts et aboutir à ce que les gens de gauche disent vouloir éviter. La tyrannie de la pensée, la censure, les clivages, tout l'inverse de la tolérance, de la liberté d'expression, de la démocratie qu'on prône souvent dans ces milieux-là.